Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on fait la dernière séance, sous-titre Prévention des dangers des courants électriques. Inch'Allah, nous connaissons les compétences suivantes. La panne électrique, le court-circuit, le rôle des fusibles, les dangers des courants électriques et dernièrement, quelques précautions indispensables. Nous commençons, Inch'Allah, comment recherche de la panne électrique. Voilà, avec la circuit électrique, lorsqu'on ferme l'interrupteur, la lampe ne s'allume pas. Où se trouve la panne? Donc, comment rechercher la panne électrique? Je détecte une panne dans un circuit électrique. Je teste un à un les éléments du circuit défectueux. On utilise un voltmètre ou une ampoule neuve, Miswah Shahid, et installez-le en parallèle avec chaque élément du circuit. On peut aussi utiliser un ohmmètre. On passe le court-circuit. Hein, qu'est-ce qu'un court-circuit? Dans un circuit en série, on réalise le montage ci-dessous. Hein, court-circuitage de la lampe L1. On ajoute un fil entre les bornes de la lampe L1. Hein, on observe, observation. Lorsque le fil de court-circuit est ajouté, L1 s'éteint. L'éclat de L2 devient plus fort. Interprétation. Le courant ne traverse plus la lampe L1, bien sûr, mais passe par le fil de court-circuit. Conclusion. Dans un circuit en série, un récepteur court-circuité ne fonctionne plus. Et les lampes du circuit possible un éclat plus fort. Elles risquent de griller. Dans un circuit en dérivation, hein, court-circuit de la lampe L3, on ajoute un fil entre la lampe L3. Hein, le courant passe. Hein, à le fil électrique. Observation, la lampe court-circuitée s'éteint. La lampe L3 s'éteint, ainsi que toutes les autres lampes éteintes. Hein? Interprétation, le générateur n'est relié qu'à un fil de connexion. Donc, le court-circuit des lampes entraîne aussi le court-circuit de la pile et les autres lampes. Conclusion, dans un circuit avec dérivation au parallèle, le court-circuit d'un récepteur entraîne le court-circuit du générateur et des autres récepteurs. Les récepteurs cessent de fonctionner, il y a risque d'endommager le générateur et de provoquer un incendie. Les dangers du courant. Voilà. Le court-circuit d'un pile, schéma de l'expérience. Voilà. Expérience, voilà. Le court-circuit de la pile, de cette pile. Voilà. Le courant tourne dans le fil. Voilà. On ajoute un fil, voilà, de connexion entre les bornes. Voilà. Entre les bornes de la pile, puis retourne à la pile, bien sûr. Voilà. Conclusion, en cas de court-circuit d'un pile, il y a un échauffement des circuits et usure rapide de la pile. Voilà, le moelle.
du secteur, il y a un risque d'incendie. Attention. Court-circuit d'une lampe. Une lampe. Schéma de l'expérience. Voilà. On fait cette expérience. Voilà. On ajoute un fil entre les bornes de la lampe. Voilà. Court-circuit. Ici. Voilà. Ligne de fer brille. Voilà. Ici, ligne de fer, voilà, brille. Observation, la lampe ne brille plus, voilà. La pile de fer brille. Conclusion, lorsque le court-circuit se produit, la lampe s'éteint et l'intensité devient plus intense, entraînant la chaleur des fils de connexion et de pile, et de la pile. Pour se protéger contre le court-circuit, on utilise un fusible du symbole. Voilà. Certains types de fusibles, voilà. Fusible en verre, fusible en plastique, voilà. Fusible en plastique pour la voiture, fusible en céramique pour l'installation électrique. Les précautions, quelques précautions indispensables. Un exemple d'installation électrique domestique. Il y a beaucoup d'appareils liés à voilà, cette forme. Comme la disjoncteur automatique. Remarque. Pour protéger les appareils électriques, on ajoute un disjoncteur qui ouvre automatiquement le circuit lorsqu'il y a un court-circuit. Ah. Précaution, la valeur maximale autorisée dépend des influences externes et plus particulièrement de la présence ou non d'eau. Cas général, la tension inférieure égale 50 volts. Exemple, chantier. Milieu moyen, la tension inférieure égale à 12 volts. Exemple, piscine. Voilà, ces images expriment quelques dangers du courant électrique. Continue. Alors, une mauvaise installation électrique tue une personne tous les 3 heures. Êtes-vous sûr de ne pas être concerné? Hein? Le corps humain est conducteur, surtout s'il est humide. Le mot meilleur. Il peut donc être en situation d'électrisation, c'est-à-dire traversé par un courant électrique. L'électrisation peut être mortelle, c'est l'électrocution, à Sakhl Kaharabai. Hein? Quelques précautions. Ne jamais toucher une borne d'une prise électrique. Ne jamais toucher un fil d'inédit, ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché, ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide, salle de bain par exemple. Si la tension électrique est inférieure à 24 volts, il n'y a aucun risque d'électrisation pour l'être humain. Une telle tension ne peut provoquer un courant de plus de 0,5 mA, même s'il a pleu et mouillé, on ne sent rien. La tension du secteur à la maison veut de 130 volts. Une telle tension peut faire circuler à travers le corps humain. Un courant d'intensité faible, 50 mA, mais qui peut être mortel en moins des secondes. Attention.
s'il vous plaît. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.